le sud de la Louisiane et dans un coin du Canada. Des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Mais quand ils jouent de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudot. Ils rêvent encore de l'Amérique qu'avait rêvé leur grand-papa. Qui pensait peu, qui pensait pas. Ah, nous, les Acadiens, toutes les Acadiennes, vont sauter, vont danser sur les violons. Sont américains et elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Le coton c'est doux, c'est blanc, c'est chouette, pour se mettre de la crème sur les joues. Mais ceux qui en font la cueillette finissent la journée sur les genoux. Alors le soir ils font de la musique comme celle de Rufus Thibaudot, pour oublier que l'Amérique c'est plus celle de leur grand-papa. Ça a bien changé depuis ce temps-là. Les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains et elles sont américaines. La faute à qui donc, la faute à Napoléon. Ils ont bossé six jours de file pour une poignée de dollars dévalués. Ils montent dans la vieille Oldsmobile et pensent à la ville d'à côté pour écouter de la musique, celle du grand Rufus Thibaudot. Et pour peupler l'Amérique à la manière de grand-papa, y'a plus que ça qui ne change pas. Les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains et elles sont américaines. La faute à Guido, la faute à Napoléon. Lâche pas la patate, mais... Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter.